pas jamais quitter nous pour compte nous. Et c'est ça que fait, il toujours choisi parmi nous prophète Lio et il mettait yo à panette pour dicter nous à patio mais comment nous devons vivre pour nous rejoindre li dans royaume Lio. On écoute avec en pile attention les petits saillots qui sortit dans le livre Deutéronome chapitre 18 verset 15 pour arriver dans verset 20 dans Somme 95 et pour finir dans première lettre Saint Paul apôtre pour Corinthiens chapitre 7 verset 32 pour arriver dans verset 35. Moïse dit au peuple d'Israël, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, Saint-Esprit, je viens de